Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, le gouvernement s'est réuni en Conseil ordinaire des ministres ce 24 août. Conseil présidé par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Le Conseil ordinaire des ministres a examiné 5 projets de loi. Voici tout de suite le compte-rendu avec la porte-parole du gouvernement, la ministre de la Communication, Madeleine Alingué. Un conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 24 août 2017 sous la présidence de Son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. 5 projets de loi étaient inscrits à l'ordre du jour. Au premier point, et au titre du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, le Conseil a examiné le projet de loi portant code de la route. Les conditions d'obtention du permis de conduire, les sanctions relatives à l'utilisation du téléphone au volant, le port du casque de sécurité, le sens giratoire au niveau des ronds-points, la protection de l'environnement et du patrimoine routier, le montant des amendes sont quelques-unes des innovations et correctifs qui intègrent la série de mesures et réformes dans le secteur du transport proposées par ce projet de loi de code de la route. Le Tchad, dans le besoin d'être en harmonie avec le plan mondial de la décennie d'action sur la sécurité routière 2011-2020 et en conformité au texte communautaire de la CEMAC, ce projet de loi réactualise et révise le code de la route tchadien qui date de 1971. Parce que les incidents de la circulation sont devenus un problème de santé publique qui interpelle non seulement les pouvoirs publics, le secteur privé, les associations de la société civile et les populations de leur ensemble, ce projet a reçu l'approbation unanime des membres du Conseil. Deuxièmement, et au titre du ministère de l'Aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, le Conseil a examiné et approuvé le projet de décret portant affectation d'un site au ministère de la Formation professionnelle et de la Promotion des métiers à N'Djamena. La prochaine construction d'une école des métiers au Tchad, obtenue grâce à une donation du gouvernement chinois, a motivé le ministère de l'Aménagement du territoire à identifier et affecter un terrain d'une superficie de 5 hectares à Sadjere, dans la commune du 10e arrondissement de la ville de N'Djamena, au profit du ministère de la Formation professionnelle et de la Promotion des métiers. Au point 3 de l'ordre du jour, et au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant statut des universités publiques. Comme vous le savez, la politique de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est une des réformes les plus profondes de notre pays. C'est un vaste programme qui s'est traduit par la création de nombreuses universités, instituts et écoles nationales supérieures à travers les différentes régions du territoire. Cet accroissement rapide nécessite une permanente réorganisation afin de les adapter au contexte actuel de l'enseignement supérieur, marqué par l'avènement du système LMD en intégrant la démarche de l'assurance qualité. Cette dynamique intègre également la révision et l'harmonisation des textes statutaires des universités et la recherche d'une gestion efficace de ces structures. Entamée depuis 2013, après une procédure de consultation large et spécialisée, le projet propose un statut unique et uniforme régissant toutes les universités au Tchad. Au point 4 de l'ordre du jour et au titre du ministère du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, le Conseil a examiné et approuvé le projet d'ordonnance portant régime juridique du partenariat public-privé en République du Tchad. À la question essentielle de savoir comment l'État pourvoit, facilite et améliore le climat des affaires au Tchad,
La réponse est simple. Il suffit d'asseoir un secteur privé dynamique et productif. L'ambition est donc de créer un cadre administratif et juridique incitatif qui permet l'implication rapide et efficace du secteur privé, créateur d'emplois et générateur de richesses. Le projet d'ordonnance portant régime juridique du partenariat public-privé en République du Tchad met en place des dispositifs indispensables pour cela et propose 1. Élargir le champ d'application des investissements avec la couverture de l'ensemble des secteurs prioritaires. 2. Introduire des mesures incitatives pour les entreprises. 3. Assouplir des conditions et les modalités de traitement des offres spontanées. Et 4. Mettre en place une instance d'appui à la mise en œuvre des partenaires publics et privés. Au cinquième et au dernier point de l'ordre du jour et au titre du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, le Conseil a examiné et approuvé le projet d'ordonnance portant création d'une société nationale d'exploitation hôtelière, Sonexo. Les leçons apprises des expériences antérieures et les besoins de remplir un vide dans la gestion et le développement des hôtels construits sur fonds publics sont les principales raisons qui motivent l'abrogation de la loi numéro 046/PR 2014 pour la création d'une nouvelle société nationale d'exploitation hôtelière. La nouvelle Sonexo aura pour mission d'améliorer la gestion de nos services et relations avec les groupes hôteliers et de développer les possibilités de contrats de gestion ou de location-gérance avec les potentiels groupes hôteliers désirant gérer les hôtels dans la capitale comme dans les régions. Commencé à 10 heures, le Conseil ordinaire des ministres a pris fin à 11h15 ce matin.